Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K19. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, c'est les combats un petit peu insolites proposés par les abonnés, parce que j'aime bien aussi cette série. C'est les combats avec des personnages, des fois de comics, de BD, des stars du cinéma, etc., etc. Et là, on a un combat qui était proposé par Monsieur Grizzly, donc n'hésitez pas, si vous avez des matchs insolites. Je sais pas, il y a les gilets jaunes dans le jeu. Il y en a qui ont créé les gilets jaunes contre Macron, ça pourrait être plutôt drôle, même si voilà, c'est pas forcément drôle tout ce qui se passe. Mais voilà, il y a pas mal d'idées qu'on pourrait avoir. Dark Vador contre Venom, enfin plein de choses, n'hésitez pas. Après, si vous avez le jeu, bah, vérifiez que les personnages soient bien disponibles, parce que bah c'est pas tous les personnages qui sont créés, même des youtubeurs qui sont créés. Et là, comme je vous l'ai dit, Monsieur Crazy qui me dit: Salut Coty, je te propose un match. Adonis Creed contre Rocky Balboa en match TLC à WrestleMania 34, et tu prends Apollo Creed. Donc en gros, Adonis. Ok. Enfin, je dis Apollo, mais je me suis trompé. C'est Adonis. Ok. Ça a été liké. On va le faire. On se retrouve dans quelques instants. Tant qu'on y est, n'hésitez pas. Si vous voulez laisser un petit like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain. Donc proposez-en. Oui, ça veut dire. Hein. Proposez-moi sinon pas mal de combats en commentaire. Comme ça, j'en ferai pas mal pour ce week-end. Parce que c'est vrai que cette semaine-là, j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Parce que bah, je me sentais pas forcément bien, j'étais un peu fatigué et tout. Du coup, bah, quand t'as pas forcément envie de faire des vidéos, mieux vaut pas en faire plutôt qu'en faire et se forcer à en faire. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir s'il est toujours au cinéma. Je pense que oui. C'est de voir Creed 2. Si vous l'avez pas encore vu, et si vous n'avez pas encore vu Creed, premier du nom, bah, de voir Creed 1. Parce que vraiment très très bon Creed, premier du nom. Et le deuxième, et je sais pas si on peut dire s'il est mieux ou pas. Je sais pas, c'est. J'ai peut-être une préférence sur le premier, mais j'avoue que le méchant du 2, que le sound design, c'est-à-dire que le bruit quand des gants, etc., tout ce qui est au niveau du son, juste génial dans le 2. Et voilà, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Voilà. Et là, on se bat contre notre mentor, Rocky Balboa. Hop là. Alors, on essaie de trouver des coups qui utilisent plus les poings, parce que bah, forcément, c'est des boxeurs. Rocky dans sa jeunesse, hein. Je n'ai pas trouvé de Rocky qui était en mode. Comment dire? En mode plus vieux. En même temps, là, c'est plus équitable. Voilà. Hop. Deuxième corde. On est là. Allez, relève-toi! Donc, ça marche TLC, hein. Donc, il faudra faire attention. Parce que, voilà, ça peut vite arriver. Surtout en mode légendaire. L'IA, elle ne cesse pas forcément faire. Aïe, aïe. Oh là. Tiens. Et là, maintenant, on va pouvoir s'amuser. On est bien là. Oh là, ouf! J'aime bien la personne qui l'a créé là. Elle lui a vraiment mis des coups. Bah, que je kiffe. Ça, c'est. Là, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et je précise, hein, que des fois, je vois des commentaires disant: Ouais, tu joues en facile pour gagner comme ça. Non, non, on est bien en légendaire. Hein. Vous me connaissez de toute façon maintenant, depuis le temps. Quand c'est en facile, vous le remarquez tout de suite. Hein, ça se voit. Même si des fois, voilà. Après, Adonis à 94, Rocky à 91. Bon. Apparemment d'écart, mais. Ça peut jouer pour si peu. Allez, relève-toi. Voilà. Des petites prises par-ci, des petites prises par-là. On a ce qu'il faut. Le spécial. Ouf. Oh, oh là là. Oh, ça fait mal. Oh, Rocky, elle est dans le mal. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Brock Lesnar? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? J'avoue, ça fait stylé. Un match Adonis Rocky. Et t'as Brock Lesnar qui vient. Mais allez, viens là, toi. Hop. Oh, ok. Ok. Ok, The Beast. Tiens, d'accord. Ok. Oh, au secours. Bon, allez, salut. Voilà. Jean Rocky, t'es obligé de demander à Brock Lesnar de l'aide. Quelle honte. Mais quelle honte. En fait, je voulais foncer dedans alors qu'on n'a pas le même gabarit. J'ai été stupide un peu sur le coup, là. Oh, voilà, encore pire. Bon, maintenant, voilà, Rocky, il va être. Il va me faire du mal. Bon, on va faire comme ça un petit peu pour. Je sais pas si on est en forme. Est-ce qu'on récupère plus vite? Bon, maintenant, il manquerait plus qu'une personne qui fait du MMA, de l'UFC ou de la boxe vienne m'aider. Logiquement, quand une personne intervient, il y a toujours une deuxième qui est là pour faire un peu la balance. Voilà. Ouf! Oh, ça picote. Oh, il a sa revenge en plus. Ah, il faut faire gaffe. Relève-toi. En plus, on avait le finisher, là. Maintenant, tu pars, hein. Je crois que je vais te laisser apprendre.
Non mais... Voilà. Ah mais oh, tu t'es pris pour qui? Là tu as mangé le finisher à l'extérieur. Oh là, oh l'enchaînement. Le petit uppercut. Uppercut pour les intimes. Elle est passée où l'échelle? Il y avait une échelle là. Dites-moi pas que c'est celle-là. Ah, c'est téléporté. C'est chelou, hein. Je suis prêt à confirmer qu'elle n'était, qu'elle a pas fait tout le tour. Non, mais non. Pourquoi tu fais ça? Je sais jamais comment il faut la mettre ici, là. Toujours, je me trompe. À part s'il faut la mettre via le ring. Moi, et les échelles, hein, à part taper les gens avec. Parce que là, si je fais ça, ça va l'incliner, enfin, voilà. Ah bah, il sait même pas la mettre, donc... Non. Tu sais quoi? Hop là. T'as de la chance. Est-ce qu'il peut sauter? Non, il peut pas. Est-ce qu'il peut monter la troisième corde, au cas où? Non. C'est dommage. Bon, on a assez récupéré. Bah là, tu viens. Oh, il veut pas. Pep, là. Il a voulu tricher, hein. Ah, t'as voulu tricher. Ouh. Ah, ça joue beaucoup, au contre, hein. Tiens, je me laisse pas faire, moi. Non, c'est plus vraiment un combat de boxe, là. Il m'a trop chauffé. Il m'a énervé. Qui énerve Adonis? Bah, prends les escaliers, c'est sûr. Ça, c'est pour les petits au premier rang. Ne faites pas ça chez vous. Surtout pas. Oh, t'as osé. Tiens. Ah, mais oh. Ah, attends. Maintenant, on peut plus passer, forcément. Je suis bloqué. Debout. Le spécial. Oh là. Ouh. Aucune pitié. Ça, c'est ce qu'on aime. On peut dire que Rocky est dans le mal. Alors, est-ce qu'il a un truc à... Je veux quand même vérifier. Je me demande s'il a pas un... Comment on appelle ça? Oh my god. Au coin. Et bim! C'est la deuxième fois que tu te fais prendre. On est bien. On contrôle le match pour l'instant. On le contrôle... Du début à la fin. Alors, il n'y a pas un oh my god ici, c'est pas grave. On va le travailler au corps au niveau du coin. Voilà. Oh, il a mis une petite tartiflette sur la fin. Et vraiment, la personne qui l'a créé, c'est très très bien. À part peut-être le visage qui est pas, voilà, pas oufissime. Mais hormis ça, c'est vraiment bon. Le pauvre Rocky, à chaque fois qu'il pense s'en sortir, je le contre. Ah, il a pas de oh my god ici, c'est pas grave. On le travaille encore une fois. On lui fait les abdos. En même temps, Rocky, il a les abdos. Stallone est présent. Vite, il faut qu'on lui fasse le spécial. Oh là. Et bim! Magnifique. Attendez, on n'a pas fait le finisher sur le ring. On l'a fait à l'extérieur. Mais est-ce qu'il est différent de celui... Ah ouais, il est différent. C'était pas celui-ci. Ouf. Oh là. Moi, je pense, les petits loups, ce qu'on peut faire, c'est un peu risquer le diable, là, ce qu'on va faire. Hein. C'est de prendre l'échelle. D'accord? On la met sur le ring. Si ça veut bien, attendez. Puis, il est là, et voilà. Il a pris la place. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Rocky? Reviens. Tiens. Là, on se met bien comme il faut. Ici. Alors, attends, tu bouges pas. Comme ça. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, je m'y attendais pas. Aïe, aïe. Non. Eh, ne joue pas à ça. Ne joue pas à sa façon. Adonis, relève-toi. Adonis, t'entends tout le monde. Adonis. Allez. Voilà, ça va être... Je joue avec le feu, hein. Bon, ça sert pas à grand chose à faire le retour maintenant, mais bon, c'est pas grave. Allez. Tiens. Ouh. Oula, c'est chaud. Là, c'est qui tout double, hein. Oh my god. Aïe. Ah bah là, oui. Oui. Par contre, est-ce que je pourrais pas me relever un peu plus rapidement? Parce que là, je l'ai laissé. Ok. On a convulsé. Non. Rocky. Voyons, Rocky.
Allez, oh bah ça c'est bien ça. On se laisse pas faire. Vas-y. Adonis. Debout. Non, non. Tu sais quoi? Je vais pas te laisser la récupérer. Sors de là. Allez. Tu me l'as fait. Bon, moi je t'ai pas fait le oh my god. Toi tu me l'as fait. Maintenant, c'est notre tour. Ça c'est la fin d'un vrai match, tu vois. Hop, tu dis Rocky va l'avoir. Évanant, c'est pas Rocky, c'est Adonis. Franchement, je suis très content parce que je suis assez surpris par la tournure du match. Je pensais que ça allait être beaucoup plus expéditif, mais finalement, Brock Lesnar qui est intervenu, Rocky sur la fin qui s'est un petit peu réveillé. En plus, voilà, hey, imposteur, c'est parfait. Je n'avais jamais eu ce trophée, je sais même pas ce que c'est. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut! Despite absorbing it.